Bienvenue à tous. Nous sommes au bord du fleuve Congo, ici à Brazzaville. En face, c'est la République démocratique du Congo. Et vous verrez qu'on n'est pas ici tout à fait au hasard. Nous avons pris rendez-vous avec deux personnages illustres de la politique du Congo-Brazzaville. Malheureusement, l'un des personnages nous a fait défection. Bonjour Estelle Bikoubon. Bonjour Palmer. Alors, la personnalité qui nous a fait défection, c'est... Oui, il s'agit bien du porte-parole du FROCAD, Monsieur Kim Fousia, qui était censé être avec nous ce matin, mais malheureusement ce matin, il a fait défection à la dernière minute. C'est bien dommage, mais qu'à cela ne tienne, nous avons Monsieur Aziz Dominique de Marseille qui est là et nous allons nous entretenir avec lui, qui a accepté de répondre à notre invitation. Et surtout, nous avions l'obligation, après le déploiement de toute cette logistique, de quand même la tenir, cette émission. Tout à fait, il fallait bien qu'on la tienne. Alors, Estelle Bikoumou, qui est notre illustre consoeur de la télévision du Congo. Aziz Dominique de Marseille, bonjour. Bonjour. Alors, je vais peut-être commencer par être provocant. Est-ce que vous faites peur? Qu'est-ce qui explique que l'un de vos contradicteurs, dans ce débat que nous organisions, se défausse à la dernière minute? Je ne sais pas si mon personnage serait-il énigmatique au niveau... de nos adversaires politiques, je parle de nos amis de l'opposition. Je constate avec amertume, désolation, déception que un leader aussi important de l'opposition qui se nommerait Romain Kifissa puisse décliner votre offre à la dernière minute. J'étais informé hier aux environs de 22h qu'il y aurait un plateau animé par Ivoire Communication. Mais excusez-moi, Ivoire Communication est une agence de communication qui part de France et qui vient au Congo s'enquérir de l'actualité politique au Congo. Une agence de communication. Ce n'est pas Télé Congo, ce n'est pas Dire TV, ce n'est pas MNTV. C'est une agence de communication qui part de France pour venir s'enquérir de la situation politique au Congo. Et quand elle arrive, elle invite un grand leader de l'opposition, Romain Kifissa, qui est le porte-parole du FOCAD. Ils invitent ma modeste personne, Aziz Dominique de Marseille, conseil départemental appartenant à la majorité présidentielle. Et que j'ai été saisi à 22h, et que ce matin, à 10h, je suis avec vous, et que mon contradicteur botte en touche. C'est une désolation, une déception, et avec amertume. Alors, on comprend vos déceptions, mais malheureusement, M. Kim Fousa n'est pas là pour se défendre. Il y a quand même une raison qui a été évoquée, celle d'une concertation avec... Bon, en fait, il se trouve que depuis hier, l'opposition devrait être en pourparlers avec le pouvoir parce qu'il y avait une série de manifestations qui étaient prévues tout au long de cette semaine, les manifestations que l'opposition a décidé d'annuler, en tout cas l'IDC FROCAD, en raison du fait, la raison évoquée dans leur communiqué serait des pourparlers qui seraient engagés avec le pouvoir. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il n'est pas là. Mais comme je l'ai dit tantôt, on va démarrer avec M. Aziz Dominique de Marseille, puisqu'Ivoire Communication est venu pour s'enquérir de la situation au Congo, et la situation au Congo est dominée par l'actualité liée au référendum. Alors M. Aziz Dominique de Marseille, pourriez-vous nous dire d'où est partie l'idée du référendum? Je peux supposer que les Congolais ne sont pas devenus amnésiques et qu'ils ont suivi la radio et la télévision. Que le chef d'État, en sillonnant nos départements, le coup de pied dans les seins d'abeilles a été donné à Dolizy. Les populations de Dolizy, un jour, pendant les 1001 missions du chef d'État dans nos départements, les populations à Dolizy ont dit, Monsieur le Président, nous voulons que vous restiez au pouvoir. Ce jour-là, j'ai tressailli dans mon fauteuil. Parce que conscient que le chef d'État a déjà atteint ses deux mandats avec l'ancienne constitution, il n'était pas candidat. Ça se fait à Dolizy. Et ce jour-là, le président actuel de l'Assemblée, M. Koumba, le ministre Mabéa dans la salle, ils avaient assisté à l'événement, ils avaient même animé cet événement. Quand Dolizy a donné, quand le Niaré a donné ce coup d'envoi, je me souviens que moi, en tant qu'Aziz Dominique de Marseille, élu de la cuvette ouest, dans la salle, nous avons reçu le président Denis Sassou Nguesso à Itumbi. Et tous les six districts étaient représentés par des échantillons de la population de la salle. De la cuvette où nous avons fait pire, nous avons amené au chef de l'État une constitution déjà rédigée. Parce que nous avons pensé que le chef d'État ne peut pas revenir au pouvoir avec l'ancienne constitution si nous voulons respecter le droit. Du coup, nous avons dit, Monsieur le Président, vous devez revenir et nous avons déjà fait une constitution pour que vous reveniez. Je dis bien les populations. Écoutez la réponse du président après avoir eu
l'idée de Dolizy et l'idée de la cuvette ouest, à Itumbi. Il dit, une hirondelle ne fait pas le printemps. Quand le président de la République dit une hirondelle ne fait pas le printemps, ça veut dire, ce que vous dites, ce n'est pas toute la population. Ne demandez pas à un chef d'État qui a fini son mandat, ses deux mandats, de revenir au pouvoir parce que vous vous appelez population de Dolizy et de Niari et population de la cuvette ouest. Nous avons pensé que le chef d'État est en train de parler en sage, mais il ne comprenait pas que nous n'étions pas seuls. Parce qu'après, les autres départements ont pris le relais de cette déclaration. Voilà comment l'idée de voir le président de la République revenir au pouvoir est partie des populations du Niari, de la cuvette ouest, et tous les autres départements ont pris le relais. Le président n'avait jamais dit que j'ai besoin de rempiler. Il a même dit dans son discours, calmez-vous, le moment arrivera qu'on parlera de politique. J'ai cette élection présidentielle en 2016 et en 2017. S'il le dit, c'est qu'il respecte la constitution actuelle, parce que celle qu'on a votée n'est pas encore promulguée, donc celle de janvier 2002. Et s'il la respecte, il sait consciemment qu'il n'est pas candidat. Donc jusqu'à aujourd'hui, le président n'a jamais été candidat. Mais puisque la population le demande, comment faut-il faire pour voir si cette population a raison, c'est la tort? Et pour répondre à cette question qui est capitale, il dit, je vous ai écouté, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. Je vous reçois pour le voir, pour vous écouter encore en face de moi. Il a reçu les représentants de la majorité, de l'opposition, les anciens leaders, les anciens hommes d'État de ce pays, les anciens chefs d'État, l'opposition, la majorité, à son palais. Il a conféré avec eux. Les uns disaient qu'ils voulaient changer de constitution, les autres disaient qu'ils voulaient garder la constitution. Le chef était encore prudent, il dit ça ne suffit pas. Allez-y à Sibiti. Ça ne suffit pas. Allez-y à Sibiti. Entre vous, acteurs politiques de la société civile, entendez-vous décortiquer ce sujet, mais plongez sur la gouvernance électorale, parce que lui, il veut partir, il faut quand même faire une élection apaisée. Je dis bien, il veut partir, il faut quand même une élection apaisée. Il faut également regarder si on peut faire évoluer nos institutions. Deux questions qu'il pose. Et quand nous partons en Sibiti, parce que je fais partie de cette équipe part à Sibiti, nous plongeons en Sibiti, trois jours durant, conclusion, la majorité sur les 654 participants à Sibiti, nous voulons changer la constitution, la minorité, nous voulons la garder. Pendant que nous tenons ce dialogue à Sibiti, une partie de l'opposition refuse d'aller à Sibiti. Et cette partie tient son dialogue, un dialogue alternatif. Et moi, j'ai salué avec éloquence le dialogue de Diatta. Pour moi, c'est un grand dialogue, c'est un dialogue qui a été très bon. C'est un document dans ce pays, il y a la démocratie. Ils ont refusé la Sibiti, ils ont tenu leur dialogue à Diatta. C'est un dialogue normal. Sauf que leurs recommandations n'ont pas été prises en compte. Non, pas du tout. Je vais en venir. Vous n'avez pas l'information. Je vous donne l'information, vous n'avez pas l'information. Ils ont tenu leur dialogue à Diatta. Le chef d'État a compris que même ceux qui refusent d'aller à Sibiti sont ses enfants. Moi, j'ai aimé ce dialogue. Je vous ai dit, j'ai salué ce dialogue. C'était un dialogue très bon parce qu'il a montré dans ce pays, il y a la démocratie. Vous avez raison, c'était formidable. Il fallait applaudir ce dialogue. Pour moi, j'ai aimé le dialogue de Diatta. Conclusion, ils ont pris les conclusions du dialogue de Diatta, ils ont remis au chef de l'État. Je dis bien, je le confie sur le plateau, au chef de l'État. Le chef de l'État se retrouve avec deux conclusions. Les conclusions de Sibiti, les conclusions de Diatta. Ils l'ont dit à la télévision, à haute et intelligible voix. Nous allons donner nos conclusions au chef de l'État. Conclusion des deux dialogues. Sibiti dit, nous voulons changer. Diatta dit, nous ne voulons pas changer. Que fait-il? S'il tranche en faveur de Sibiti, il aura tort. Il ne tombe pas par jure parce qu'il n'a pas à choisir. S'il choisit Diatta, il a tort. Il ne tombe pas par jure. Qu'est-ce qu'il fait avec les deux conclusions? Il consulte le peuple. Parce que Diatta, ce n'est pas le peuple, Sibiti, ce n'est pas le peuple. Donc, on a voilà, bien, on voilà a là où nous sommes arrivés au référendum. Justement, pour aller au dialogue, pour aller plutôt au scrutin, le dialogue de Diatta avait exigé qu'on puisse revoir la CONEL. Ce qui n'a pas été fait avant les élections, c'est peut-être la raison pour laquelle l'opposition n'a pas voulu prendre part à cette élection. La constitution de la CONEL, la Commission nationale d'organisation des élections. Mais je ne sais pas, quand vous émettez une idée, ne vous dites pas que votre idée est forcément triomphante. On peut vous émettre une idée qui peut être ou ne pas être prise en compte. Pas pensez-vous quand l'opposition dit nous voulons ceci d'être systématiquement accepté. Je suis de la majorité. Il faut qu'on se retrouve. Oui, mais il faut qu'on se retrouve. Mais quand il boude cette CONEL, mais nous ne la boudons pas. La CONEL est composée des membres de l'opposition de la majorité. Dites-moi le contraire. Cette CONEL est composée. Qui les délègue? Mais c'est eux qui les délèguent.
Ce n'est pas la majorité qui impose. Nous voulons, nous, à la majorité, nous envoyons nos représentants. La CONEL, l'opposition envoie ses représentants. Dites-moi, la CONEL est composée, comme vous êtes journaliste, elle est composée, un, de la société civile, deux, de la majorité, trois, de l'opposition. Voilà. D'accord. Et pourquoi elle pose problème? Alors, on va se faire pédagogue pour nos téléspectateurs qui nous regardent, pour qu'ils comprennent très bien la situation ici. Ce que je retiens de votre premier propos, c'est qu'il fallait dégager une majorité. Et en démocratie, pour dégager une majorité, il faut passer par une consultation populaire. Alors, nous sommes quelques jours après la tenue de ce référendum, Asie Dominique de Marseille. Il a eu lieu finalement contre vents et marées. On peut dire que le pouvoir est passé en force. Oui, allons-y d'abord. Commençons d'abord par la première. Je ne sais pas. Nous parlons en français, c'est un butin de guerre. Je ne connais pas le mot force. Passer en force veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on entend par parlant, passer en force? Passer en force, j'aurais pu le comprendre si le chef d'État assis dans son bureau, de haut de son pouvoir de chef d'État, aurait signé un décret sans passer par toute la procédure de droit. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne peux pas convoquer un référendum si et seulement si sa conformité n'est pas justifiée par le droit. Est-ce que je me fais entendre? Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit d'abord aux instances supérieures, la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle reçoit le courrier du président de la République, qui est chargé de veiller sur la constitutionnalité des lois. Si la Cour constitutionnelle dit, Monsieur le Président, le référendum que vous voulez convoquer n'a pas lieu d'être, parce qu'il n'est pas juridiquement assis, la République, à la réponse négative, il ne convoque pas. La Cour constitutionnelle a bel et bien dit, Monsieur le Président, vous êtes en droit de convoquer le référendum. Donc les deux instances du droit ont donné raison au chef de l'État, ont donné le chemin, on dit au chef d'État qu'est-ce qu'il faut faire. Vous devez convoquer le référendum. C'est avec ces avis du droit, avec ces deux avis du droit, qu'il est parti convoquer le référendum. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on appelle passer par la force? Est-ce qu'il n'a pas obéi aux dispositions du droit, c'est-à-dire aux dispositions de nos constitutions? Nos constitutions disent quoi? Pour convoquer un référendum, il faut qu'il se réfère aux instances habilitées pour veiller sur la régularité. Il l'a fait, il a eu la réponse. Du coup, le terme passage en force n'existait plus, n'existait pas. Et il est inopportun de l'utiliser dans pareil débat, parce qu'il n'y a pas eu de force. Non, justement, il a convoqué le dialogue, plutôt le référendum, conformément à l'article 110 de la Constitution du 20 janvier 2002. Qu'à cela ne tienne, le taux de participation a été estimé à 72%, comme un score à la soviétique. Ce n'est pas exagéré, vous pensez que les Congolais se sont rendus aux urnes tels que... C'est vrai qu'ils se sont rendus aux urnes, mais il y a eu quand même l'appel au boycott de l'opposition. Et donc face à cet appel, vous pensez que tous les militants de l'opposition se sont rendus aux urnes pour pouvoir estimer quand même le vote à 72% du taux de participation. Réalise ce score. Expression score à la soviétique. Vous voulez me montrer que les soviétiques sont ceux qui font bien moins les élections au monde? Je suis désolé. Oui, parce qu'ils sont toujours au-delà de 60%. Oui, mais attends, les soviétiques. Est-ce que les Russes sont convaincus de la politique de leur pays? Ainsi font-ils confiance à leurs dirigeants à faire ce score? C'est une parenthèse, je reviens. Mais dites-moi, j'aimerais qu'on se comprenne. Et votre rôle de journaliste, évidemment, il est bien joué. C'est une belle question. Mais je vais donner la réponse. Un, aux médias internationaux. Deux, au public congolais et surtout africain. J'ai écouté une émission sur une chaîne de télévision camerounaise. J'étais scandalisé parce qu'ils ont une lecture complètement biaisée de la situation au Congo. Ils parlent de ce score-là, tricherie, score à la soviétique, score exagéré. Je vais essayer de donner une explication à cela. Qu'est-ce qu'on appelle taux de participation? Ce sont les personnes qui sont parties voter. Qu'est-ce qu'on appelle le pourcentage de réussite, de oui. Mais ce pourcentage est calculé sur le nombre de personnes qui sont parties voter. Il faut que nous le comprenions d'abord. Il y en a qui parlent dans la rue sans comprendre comment on calcule ce pourcentage. Si le Congo, ce jour, a eu 1 million de personnes qui étaient parties aux urnes et que 1 autre million n'est pas parti aux urnes, on ne compte le taux de participation que sur le million parti aux urnes. Par rapport aux inscrits, non? Non. Vous êtes inscrits, mais lesquels ont voté? Lesquels ont voté? Quand on dit 100%, c'est que ceux qui ont voté oui. Quand on dit 50%, c'est que dans ceux qui ont voté, il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non. Mais quand on dit 92%, c'est que dans ceux qui ont voté, ceux qui ont dit non, ils sont de 18%, non, de 8%. Ceux qui ont dit oui sont de 92%. Mais et en ce moment-là, ça ne peut pas vous étonner. Et je vais vous le démontrer tranquillement. Un, tout le temps, quand vous regardez les médias, la majorité présidentielle a battu campagne pour qu'il y ait élection et pour qu'il y ait oui.
deux éléments, élection et le oui. L'opposition a battu campagne pour qu'il n'y ait pas élection et pour qu'il n'y ait pas, donc, qu'il y ait un non. Mais ils n'ont même pas battu campagne pour dire allons-y voter non. Ils ont battu campagne pour qu'il n'y ait pas élection. Dès lors que vous avez battu campagne pour qu'il n'y ait pas élection, ça veut dire quoi? Ceux qui iront aux urnes sont ceux qui ont écouté la voix de la majorité qui disait allons-y voter oui pour que nous changions de constitution. Alors, dès lors que vous avez boycotté, que vos militants ne sont pas partis, on calcule le taux de participation sur le nombre de personnes qui sont parties voter. Combien sont partis? Ils sont partis au nombre de temps. Ils étaient 1 million. Combien ont voté pour oui? Mais il y a eu 900 et quelques mille qui ont voté pour oui. Mais c'est normal que le score soit assez fort parce que l'opposition n'a pas envoyé ses militants aux urnes. On aurait pu dire vous avez triché. Si l'opposition avait envoyé ces gens aux urnes et ces gens avaient voté non, vous avez triché. Mais il n'y a presque pas l'opposition qui envoie des gens aux urnes. Ceux qui ont dit non là, c'est des citoyens libres qui sont partis d'urne. Parce que dans aucune ville, l'opposition n'a incité la population d'aller voter. Elle a plutôt empêché la population d'aller aux urnes. Elle a joué au terrorisme. Elle a joué au terrorisme, elle a empêché, elle a calculé. La preuve en est que nous avons eu presque deux quartiers qui ont été mis à feu. Mais comment voulez-vous que ces populations aillent voter dans ces conditions? Mais s'ils ne votent pas, ceux qui ont accepté d'aller voter, on calcule le taux à partir d'eux. Donc ça ne devait pas être étonné. Deuxième élément de réponse sur ce taux de participation. Je vous ai noté le fait que l'opposition a boycotté. Deuxième élément. Mais il y en a même qui sont partis voter oui, mais qui ne voulaient pas voter oui. Pourquoi? Parce que les actes posés par l'opposition ont incité la population à aller voter, aller en vote sanction. Qu'est-ce que j'appelle acte posé par l'opposition? Mais quand vous voulez prendre le pouvoir, mais allez-y prendre la maison du président Sassou, allez-y prendre le palais du Parlement, allez-y prendre les institutions d'État. Vous n'allez pas prendre le pouvoir en brûlant un marché qui se trouve le vivier quotidien du citoyen lambda. Mais le Congolais qui vit, c'est des mamans qui vendent son riz, qui vendent son charbon, qui vendent son huile, qui vendent son noyau, qui vendent sa tomate. Elle nourrit sa famille avec. Vous brûlez le marché. Ces mamans se sont rendues compte que le marché serait brûlé. Elles auraient une vie complètement chamboulée. Elles ont voté non parce que ceux-là veulent détruire la République autrement. Ils veulent prendre le pouvoir autrement. Si vous brûlez une station d'essence qui dessert un quartier, quand vous quittez 45 km, vous venez à Brazzaville, la première station d'essence, vous la trouvez vers la télévision congolaise. Imaginez que vous mettez une station d'essence à Kintele et que vous la brûlez. Les policiers de Kintele vont vous applaudir. Non. Et quand on leur dit une station brûlée égale, si elle avait explosé, ce serait un quartier qui serait rasé. On aurait vécu le drame du 4 mars. Dites-moi, quand les populations ont pris conscience de ça, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, finalement, ces gens-là, quand ça soit appelé à la paix, ils veulent la guerre, on va voter pour qu'ils partent. Voilà pourquoi on peut expliquer ce vote massif pour le oui. Parce que l'effet contraire, les cibles choisies par l'opposition ont été mal choisies, mal raisonnées. Et quand vous faites mal, eh bien, ça retourne contre vous. Voilà comment les populations ont fait le vote sanction. Alors, on vous a bien compris, Assis Dominique de Marseille. J'espère Estelle aussi. Je vais quand même rappeler que c'est récap. Après le référendum constitutionnel, nous revenons pour comprendre un tout petit peu les enjeux de la suite. Ce qu'on retient de votre propos tout de suite, c'est que vous justifiez le score par le niveau d'abstention dans le camp de la contestation. Absolument. Et aussi par un rejet des populations, c'est ce que vous dites. Rejet de l'opposition, et qui au lieu d'aller s'attaquer au symbole du pouvoir, s'attaque au symbole du vivier quotidien des Congolais. Brûler un marché, mais c'est comme de personnes. On a quand même vu, Estelle, je parle sous votre contrôle, on a vu un vrai leadership se démarquer au niveau de l'opposition, avec une mobilisation assez importante, hein, une mobilisation qu'elle n'avait pas l'habitude de voir au Congo-Brazzaville. Le 27 septembre à Brazzaville et puis le 17 octobre à Pointe-Noire. Est-ce qu'on peut dire que l'opposition congolaise aujourd'hui est désormais incarnée par de vraies figures? Je sais que vous avez des impératifs du temps. Donnez-moi quelques 5 minutes sur cette opposition. Je suis désolé. J'aurais bien aimé voir mon cher frère respecté qui fut ça, Romain, à côté de moi. On aurait pu débattre de cette question. J'aurais aimé voir un autre membre de l'opposition à côté de moi, que nous débattions de cette question. Dommage que Kifuissa ait jeté l'encre à 30 minutes, ait botté en touche à 30 minutes de ce plateau. Je suis désolé. Mais qu'à cela ne tienne, je veux quand même dire ça, et que les membres de l'opposition et que les Congolais m'écoutent, je veux quand même dire ça à cette antenne, j'aurais pu le dire devant Kifuissa. Parlez un peu de cette opposition. Monsieur Morgan Palmer, quand l'opposition fait un meeting, on voit une foule impressionnante. Je dis bien impressionnante. Je me dis, ils sont forts.
ça dans l'urne, c'est peut-être que le non va triompher. Mais une semaine après, quand nous, à la majorité, nous sommes montés au créneau, on a fait le double. Mais moi, en tant qu'homme politique, cette foule ne m'impressionne pas. Ça ne veut pas dire que nous avons la majorité. Pour moi, cette foule n'a un sens que si elle s'exprime dans les urnes. C'est en mettant le bulletin dans l'urne qu'on peut dire au monde entier, je contrôle la population. Le peuple, c'est moi. Le peuple, ce n'est pas cette foule qui vient. Parce que les mêmes personnes que vous avez vues au meeting de l'opposition, ils ont retourné leur t-shirt quand je les ai appelés pour repartir au meeting de la majorité. La foule est irresponsable. La foule n'a pas de nom, n'a pas de prénom. La foule n'a pas de date de naissance. Donc l'irresponsabilité de la foule est faite de telle sorte que pour savoir quand on a la foule, il faut aller dans l'urne. C'est en plaçant le bulletin dans l'urne qu'on peut savoir, qu'on peut dire l'opposition est majoritaire, l'opposition a le peuple avec lui ou que la majorité a le peuple. J'ai horreur des hommes politiques qui parlent au nom du peuple. Qui est le porte-parole du peuple? Qui est le porte-parole du peuple? Personne. Alors s'il n'y a personne, laissez le peuple s'exprimer par lui-même dans les urnes. Ça, c'est un constat. La presse internationale, la France en majorité, nous, là-bas, l'opposition, on a vu les gens, on a vu. Mais qui ne sait pas, avec intelligence, qu'une foule comme celle-ci ne justifie pas votre popularité? Il faut les justifier dans l'urne. Je vais en arriver. Maintenant, parlons de la crédibilité de votre opposition. Excusez-moi, M. Morgan, ça me touche. Je vais essayer de vous faire un film de science-fiction sur ce plateau. Est-ce qu'on aura encore le temps? Il y a des questions qui fâchent. Oui, c'est important pourquoi? Alors, très rapidement. Oui, je peux m'imaginer, je prends l'ambassadeur des États-Unis, de la Chine. Non, prenons la France, qui est notre mère patrie. Imaginons Hollande de dire, monsieur l'ambassadeur de France au Congo, reçois-moi l'opposition congolaise, parle un peu avec elle, parce qu'apparemment, elle a massé une foule importante au boulevard, c'est qu'elle, cette opposition sérieuse, essaie quand même de les écouter. Imaginez ça, que l'opposition arrive à l'ambassade, l'ambassadeur les reçoit, ils sont là assis, vous avez Kifuissa, vous avez Okombi, vous avez Mathias Nzon, vous avez Tati Babiala, vous avez Mirasa, tout ce monde-là. Ils sont, imaginez autour de l'ambassadeur, que l'ambassadeur pour la question de savoir, bon, vous êtes là, c'est bien, vous avez une opposition, mais le patron c'est qui? S'il pose cette question comme le patron c'est qui, il a tué l'opposition. Je fais un film de science-fiction, le patron c'est qui? Imaginez un seul instant. Dit, c'est moi le patron de l'opposition. Je crois qu'il y en a qui vont se lever pour dire, monsieur le patron de l'opposition, ministre de la Défense à votre époque, la guerre du 5 juin, c'est sur votre dos. Quand l'armée se déploie dans les villes, chars, munitions pour aller en guerre, le chef d'état-major est au courant, le ministre de la Défense a donné l'ordre. Vous porterez ça toute votre vie sur votre dos. Le ministre de la Défense dit souvent pendant la guerre du 5 juin, qui dit quand la guerre c'est qui? C'est Tati Mabiala. C'est vous le patron de l'opposition? Si d'aventure, Bertrand nous ont dit c'est moi, on dit monsieur, c'est vous qui avez été ministre de Sassou, ministre des Finances pendant 5 ans, votre bilan il est comment là? Vous n'avez pas pu gérer une épicerie, vous allez gérer un supermarché? Et, justement, et si on arrive sur Okombi Salissa, monsieur Okombi Salissa, ministre de Sassou pendant 15 ans, c'est à 3 mois que vous avez été éjecté du pouvoir, vous êtes devenu leader de l'opposition, entre eux, la question de l'ambassadeur va faire qu'ils sortent de là divisés. Pour vous montrer cette histoire, ce film de science-fiction qui est très beau à monter, à regarder dans un beau salon festré, serait de vous dire qu'une question de l'ambassadeur détruirait l'opposition. En bref, cette opposition n'est pas... Comment vous voulez avoir une opposition qui n'a pas de leader? Nous, à la majorité, on a un leader, mais l'opposition a quel leader? Dites-moi, je vous pose la question du journaliste. Dites-moi, le président de l'opposition, c'est qui? Non, c'est nous qui posons les questions, monsieur voilà. Dominique de Marseille. Ce que j'aimerais savoir, c'est quoi? Vous dites évidemment que les responsables politiques au Congo, ceux que vous venez de citer évidemment, ont souvent un passé qui les rattrape parce qu'ils n'ont pas été exemplaires lors de la gestion. Mais il se trouve que dans notre nouvelle constitution, que la Cour constitutionnelle va certainement valider d'ici quelques jours et qui sera promulguée, qui entrera donc en vigueur dès sa promulgation, parce qu'à son article 246, il est prévu que la présente loi entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée. Il se trouve que son article 96, c'était un article qui est vraiment à controverse, on dit qu'aucune poursuite pour des faits qualifiés, crimes ou délits, ou des manquements graves à ses devoirs qu'à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut plus être exercée contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. Alors vous étiez en train d'égratigner tout à l'heure les responsables de l'opposition. Vous ne craignez pas qu'avec ce genre d'article de la nouvelle constitution que nous puissions retomber dans les mêmes bavures demain? Les mêmes dispositions trouvées chez les chefs d'État, on les trouve également chez les sénateurs. Quand vous avez un mandat public, vous posez des cas de ce mandat public, vous êtes protégé par une immunité. C'est ce que ça veut dire. Mais l'immunité là, tous les chefs d'État au monde sont protégés par une immunité. Si vous lisez dans la constitution du Congo, ça se joue dans la constitution américaine, la constitution française, la constitution allemande.
Dominique de Marseille, vous parliez tout à l'heure de ses opposants. On était dans un scénario fiction, de ses opposants qui vont chez l'ambassadeur de France. Moi, j'ai envie de dire sur la question du dialogue. J'ai entendu timidement ces jours-ci parler d'un dialogue entre les forces de la contestation et le pouvoir en place. Pourquoi ne l'avoir pas fait plus tôt? Pourquoi n'avoir pas évité le bilan macabre que nous savons? J'aurais bien aimé que cette question... Mais ce serait bien si monsieur, mon cher ami Kifoussa était là. Mais tout le temps nous avons appelé... L'opposition accuse le pouvoir de ne pas être ouvert à la discussion, aux négociations. Dites-moi, quand un chef d'État dit « je vous reçois pour la discussion », quand vous bottez en tous, qui refuse d'aller? Et c'est peut-être la presse française qui ne le sait pas. Je me suis dit, ça peut être nos amis des RFI qui sont très mal informés et suffisamment mal informés. Je plains le journalisme à ce niveau-là. Le chef d'État l'a dit, je reçois les acteurs politiques à mon domicile, c'est-à-dire chez lui, pour qu'on en débatte. Mais dans le dialogue, si vous êtes le chef de l'État, mais vous avez la première personnalité du pays, ils ont refusé. Allez-y à Sibiti, entre vous, ils ont refusé. Maintenant, ils comprennent qu'il faut aller au dialogue. Maintenant, c'est maintenant qu'ils le comprennent. Mais pourquoi? Mais quand vous avez fait vos calculs politiciens... Vous avez toujours voulu dialoguer? Mais bien sûr. Au niveau de la majorité. Mais attends. Mais qu'est-ce que nous avons fait à Sibiti? Mais l'opposition dite modérée qui est arrivée. Mais ce concept, je ne l'aime pas. Opposition modérée, opposition radicale. Mais il faut qu'on apprenne également. Mais puisqu'il existe. Oui, d'accord. Mais madame Bikoumou, désormais, apprenez que... Je vous l'ai dit sur ce plateau, il y aura aussi une majorité modérée, une majorité radicale. Et vous ferez partie de laquelle? Oui, la majorité, je vous la définis. La majorité modérée, c'est celle composée par les patrons de nos partis. Les Ngolo, les Kolela, l'homme en Mampouya. Tous les leaders des partis vont composer ce qu'on appelle l'opposition modérée. C'est des gens tempérés. Mais qu'ils sachent qu'en face de l'opposition... radical, il y a une majorité radicale. Et moi, j'aimerais être adressé à une majorité radicale. Quand vous tapez à 8 heures, vous tapez à 9 heures. C'est ça. Il faut qu'il y ait ça. Que quand vous parlez là, à 8 heures, de l'autre côté là-bas, la majorité, il y a une majorité radicale qui va reprendre à 9 heures. Nos aînés peuvent être tempérants. Nos aînés, ils peuvent adoucir. Il faut bien qu'il y ait ce 200. Parce qu'on a l'impression que l'opposition se dit, ben, ce n'est pas nous qui portons les œufs, on peut taper dessus. Mais il faut qu'ils sachent qu'il y a des jeunes loups à la majorité qui eux aussi sont devenus une majorité radicale. Quand vous tapez à 8 heures, vous tapez à 9 heures. Il faut bien qu'il y ait ça. Donc si cette opposition radicale ne veut pas aller au dialogue, eh bien elle n'a que faire les... Mais M. Morgan Palmer, la politique c'est un choix. Ou vous choisissez de dialoguer pour avancer, ou vous ne choisissez pas de... Mais quand vous ne choisissez pas de dialoguer, il faut avoir la main d'œuvre de la République. Alors avant, qui a la main de la République? Avant les émeutes, le pouvoir avait annoncé qu'il serait assez dur vis-à-vis de tous ceux qui appelaient à l'insurrection. Sauf qu'on a vu qu'il y a eu un bilan macabre, des gens qui sont morts, et par la suite, on n'a pas eu l'impression qu'il y a eu une sanction gouvernementale. C'était une façon de légitimer l'action de l'opposition. Il n'y a aucun opposant aujourd'hui. Non, il y a des poursuites judiciaires qui sont morts. Sur les opposants? D'accord. Mais, d'abord, il faut... Souvent, au nom de la paix, et nous avons souvent biaisé le droit. Je suis désolé. On a souvent biaisé le droit. Non, au nom de la paix, on ne poursuit personne. Au nom de la paix, il ne faut pas faire... Mais la paix ne devrait pas biaiser le droit. Si c'était moi, malheureusement, en matière de démocratie, c'est la majorité qui compte. Dans cette majorité, je peux être une minorité. Si c'était que moi, dès qu'il y a mort d'homme, il a forcément poursuite et poursuite a conduit à un jugement. Parce que ceux qui sont morts sont des citoyens comme ceux qui font la politique. En quoi l'acte politique doit être épargné de toute poursuite judiciaire? J'ai horreur que nous piétinons chaque fois la règle de droit au nom d'une paix, au nom de la politique. Mais quand un seul citoyen tue un autre citoyen, mais il est poursuivi, donc qui intervient? Pourquoi quand un homme politique organise un désordre et que les gens sont morts, on veut passer ça pour perdre profit? C'est une mauvaise politique. Je vous l'ai dit sur le plateau, je suis seul de la majorité qui a encore une liberté de parole. C'est une mauvaise politique qu'on dit non, au nom de la paix, on laisse tomber quoi? Ceux qui sont morts sont des citoyens qui sont morts. Et chaque Congolais qui meurt, on devait savoir pourquoi ce Congolais est mort et les poursuites judiciaires doivent être entamées et la justice doit être faite. C'est ça un état de droit. Parce que la démocratie repose sur trois piliers, je vous le fais comprendre. Un, suffrage universel. Deux, liberté d'expression. Trois, état de droit. Mais s'il n'y a pas l'état de droit, la démocratie perd un pilier fondamental. En somme, nous sommes plus un état démocratique. Quand nous mettons de côté la justice, la démocratie perd le troisième pilier. Quand les trois piliers ne sont pas réunis, ce n'est pas un état démocratique. Donc il est temps que les hommes politiques comprennent que le temps d'impunité devrait être absolument banni. Que chaque fois qu'un Congolais tombe par balle, qu'une maison est brûlée par un banditisme organisé par les hommes politiques ou non,
Ces personnes doivent être déposées parce qu'il faut protéger. L'État dit, la Constitution dit, l'État doit veiller à protéger, à avoir libre circulation des hommes et à veiller sur les biens d'autrui. Je suis désolé que dans notre pays, chaque fois, on fait la même chose. On sait que les maisons ont été brûlées à Bakongo, on sait que les PESPA ont été brûlées, on sait que les gendarmes ont été brûlées, on sait qu'il y a eu des morts à Pondre, il y a eu des morts à Brazzaville. Mais que diable, ces personnes doivent être poursuivies et jugées. C'est mon opinion. Je n'ai pas dit sur l'opinion de la majorité. Mais désolé, dans cette majorité, je peux avoir mon opinion. Justement, le droit doit être respecté. Ça veut dire que la Constitution doit aussi être respectée. Parce que souvent, les textes sont pris dans ce pays, mais ont toujours du mal à se faire appliquer, à se faire respecter. Est-ce qu'avec la nouvelle Constitution du 25 octobre 2015, nous pouvons espérer un avenir meilleur pour c'est l'applicabilité le comportement des hommes politiques, Madame Esther. Vous en faites vous savez, oui, bien sûr. J'ai dit, mais quand je vous dis qu'il y a une nouvelle classe politique qui arrive, c'est quoi? C'est celle qui ne tolère plus ça. Moi, je vous parle, je vous dis, je suis de la majorité radicale. Mais le président, ça ne nous parle pas de la majorité radicale. C'est un homme tellement posé. Mais lui et moi, on peut être en contradiction. Monsieur le président, ça s'appelle être sanctionné. Il dit, monsieur Azir, en politique. Mais il va me ramener à la raison. Mais moi, je suis le jeune loup qui dit non. Ça, ce n'est pas possible. Lui, il peut baisser le temps. Il a une expérience. Il a cumulé une certaine expérience en politique. Je viens d'arriver en politique à peine un an. Et en rentrant pour un an, pour moi, tout ça doit être jugé. Mais je peux voir ça comme ça. Mais il y a d'autres présentateurs que je ne connais pas qui peuvent me ramener à la raison. C'est ça quand on est mûr en politique. Mais en même temps, on est mûr en politique, de temps en temps, on fait entorse à la loi. Moi, c'est parce que l'arrêt de droit est absolument impersonnel. Elle est applicable pour tout le monde. Malheureusement, les hommes politiques, pas qu'au Congo, les hommes politiques en général pensent comme ça, au nom de la paix. Au nom de la paix, au nom de la paix. Alors, voilà. pour nos téléspectateurs qui regardent, qui vont voir cette émission à l'international, on peut dire que le calme est revenu définitivement au Congo-Brazzaville. Attends, mais le calme est revenu au Congo-Brazzaville. Je suis parti à Kinkala quand avant-hier, revenu. On a ouï dire que l'opposition convoquait une nouvelle série de désobéissances civiles. Je vous dis, c'est avec amertume et désolation que l'opposition ne soit pas sur ce plateau. Ils auraient pu reprendre. Ce que j'ai écouté à la télévision, c'est que mon cher respecté et frère Kifuissa a lu un communiqué qui disait que l'opposition. Non, c'est avait... M. Mbubutu qui a lu le communiqué. Non, au nom de l'IDC, Focade. Oui, ça c'était pour la marche voilà, de la semaine dernière. Ça, Paul Amad dit, il n'y a pas de marche. Il a même dit qu'un communiqué, parce qu'il dit qu'ils avaient suspendu les activités de l'opposition. Je ne sais pas, je ne suis pas à l'opposition, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à leur niveau. Est-ce qu'ils ont entendu raison? Mais quand on fait des supputations, moi aussi, je peux avoir des supputations. Quand vous menez une action politique dans votre pays, vous basez votre action comptant sur l'extérieur. La France va nous soutenir. Les États-Unis vont nous soutenir. Attention, telle puissance. Mais les 4 millions de Congolais, quand ils se lèvent, mais cette puissance ne tiendra pas. Quand un peuple est décidé, chauffé à blanc, d'aller vers une direction, c'est difficile que vous appelez la France, vous allez les contenir. Vous pensez ceux qui étaient au boulevard ce jour-là, vous empêchez qu'on dise, bon, pas de référendum. Nous, on appelle la France, on débarque avec armes et munitions. Ce serait beaucoup de Congolais seraient morts avec les armes des Français, ou des Américains, ou alors de ceux qui ne veulent pas. Donc évitez de faire la prise dans votre pays pour dire on compte sur la France, sur les États-Unis, sur la prise. Comptez sur les Congolais. Aucun étranger ne viendra faire le lit du Congo. Le Congo est fait par les Congolais. C'est une décision politique à prendre, il faut la prendre par les Congolais. Mais quand vous constatez qu'un bon matin, le président malien arrive en France, dans une conférence de presse, une question est distillée sous la table. Monsieur le président de la France, que pensez-vous du référendum au Congo? La réponse est, elle est directe, sans ambiguïté, est clair et net. Le président Sassou a le droit de consulter son peuple. D'ailleurs, c'est qu'on peut conseiller à tous les chefs d'État au monde. Alors, si vous, à l'opposition, vous comptez sur Hollande, qui doit vous envoyer armes et munitions, débarquer comme au temps de Sarkozy, on débarque armes et munitions, en Libye, on tue Kadhafi, après l'État devient un État de non-État, ce que nous déplorons. Et ça, c'était la mauvaise politique de la France, ça, c'était le terrorisme français en Libye, je pèse mes mots, le terrorisme français en Libye, ce qu'on ne peut pas accepter. On ne va pas le faire au Congo. Je suis désolé, pas au Congo. Et là, Hollande a compris qu'on ne peut pas faire la même chose. Mais il a rectifié ses propos 48 heures après, puisqu'il a dit que lui, il encourage l'alternance démocratique. Mais, il est revenu sur ses propos prononcés l'année dernière, en septembre, à Dakar. Madame, on connaît l'alternance démocratique, n'a pas dit que j'empêche sa suite de construire son peuple. Il a dit qu'il est autorisé. Il n'a pas dit que le oui gagne. Ou le, il peut construire le peuple, mais le non peut triompher. Ça veut dire ça. Le président Hollande n'a pas dit j'autorise qu'il y ait un oui. Il est normal que d'avoir tous les chefs d'État africains, tous les chefs d'État au monde doivent faire la même chose. Quand une question parle, il a dit, on doit consulter le peuple. Mais la réponse, il ne le sait pas. Alors, si le peuple peut dire non, qu'on peut dire oui. Et le lendemain, quand il dit,
Il a encore la tenance démocratique. Mais c'est normal. Monsieur Azim, vous semblez être très dur face à la presse extérieure. Pourquoi? À quoi cela est dû? Madame Esther, je me demande si les non-professionnels... Heureusement, je suis journaliste. Est-ce que la profession exercée en France serait-elle différente au Congo? Quand vous êtes pilote au Congo, si vous êtes pilote en France. Si vous êtes médecin au Congo, si vous êtes médecin en France. Si vous êtes journaliste au Congo, si vous êtes journaliste en France. Je suis étonné qu'une radio comme RFI diffuse des bavures. Je pèse mon mot des bavures sur les antennes de RFI. Il parle toujours de changement de constitution avec un troisième mandat à la clé. Mais vous n'allez pas me dire qu'un journaliste aussi outillé comme Juan Gomez ne sait pas ce qu'on appelle la loi, ne connaît pas la non-rétroactivité de la loi. Je suis étonné. Vous allez me dire que ces journalistes-là n'ont pas une culture générale assez étoffée. Mais la non-rétroactivité de la loi est un principe universel de droit. Il continue à diffuser des énormités et le patron de RFI ne sanctionne pas ces journalistes qui commettent des bavures à l'antenne. Ça, c'est un de deux. Quand vous regardez une télévision, qui vous prend les images du Burkina Faso, qui les fait passer en boucle pour dire, voilà comment au Congo, le peuple est contre le président de la République. Mais c'est une tricherie grave. Le lendemain, le journaliste serait débarqué et il serait même suspendu. Mais quelle est cette complaisance des responsables des médias internationaux qui ne veillent pas sur la bonne application, le bon respect de la profession? Mais ils nous l'ont enseigné. J'ai fait des études ici, je suis parti à Paris. Mais ce qu'on nous enseigne ici comme à Paris, mais c'est la même leçon apprise par nos collègues de la presse française. Mais que diable titre avec le métier parce qu'ils veulent faire... Bon, le Bénin, oui, a une certaine classe politique. Je suis désolé. Ce qui fait que ce qu'on a vu ce dernier temps, c'était lamentable. On me dit, on a suspendu les émissions de RFI au Congo. Mais bien sûr, quand une radio commet une bavure, elle n'est pas, qui vous a dit que RFI n'est pas passible de sanctions? Qui vous a dit que RFI est exemptée de sanctions quand elle commet une bavure? RFI a fauté et la faute a été sanctionnée. C'est comme Radio Congo peut fauter, peut être sanctionné. C'est comme Télé Congo. Mais quand on sanctionne RFI, tout le monde se met à crier. Mais RFI a fait une erreur grave, pas une erreur, une faute grave. Une faute, c'est-à-dire un manque de professionnalisme criard qui s'étale sur la place publique et pour laquelle on n'a plus de respect pour RFI. Alors, madame. Nous tirons à la fin de cet entretien, Asie Dominique de Marseille, bercé par le cliquetis des vagues du fleuve Congo. Hein. On n'a pas choisi de vous inviter tout à fait au hasard. Estelle et moi, en mijotant cette émission, on avait pensé que vous avez tous les deux, Kinfoussia, Guy Romain et vous, un passé carcéral, vous autant de Pascal Lissouba et lui autant avec Franck Boukaka, hein, quand on fouille un tout petit peu dans l'histoire. Autant de lui, c'est autant de. Avec Franck Boukaka, le chanteur qui a été exécuté autant à l'époque. Autant de Ngwabi, je crois. Bien. Je ne sais pas, je ne connais pas son histoire. Mais vous savez, vous me rappelez un fait important. J'ai été incarcéré un mois et ensuite 6 mois. Et ma cellule, c'est la cellule 52, à la maison d'arrêt centrale de Brazzaville. Mais M. Morgan Palmer, voilà moi un exemple d'État. Mais cette opposition animée par l'UPADES, mais qui est au pouvoir, c'est Pascal Lissouba. Mais qu'est-ce qu'on a reproché à M. Azim? D'avoir diffusé un document qui montrait que, attention, on va former une milice privée qu'on appelle Obévillois, formée par des Israéliens. Et je me dis, un chef d'État élu au suffrage universel ne peut pas mettre 13 milliards aux mains des Israéliens pour former une milice privée qu'on appelle Obévillois. J'ai été arrêté, traduit et mis en prison pour diffusion de secrets d'État. C'est ce qu'on appelle secret d'État. Et j'ai été mis en prison. Et tous les matins et tous les soirs, j'étais correctement bastonné. Le ministre de la Justice à l'époque, tous les jeudis et tous les dimanches, venait à la maison d'un pouvoir. Est-ce qu'il est là? On ouvre la cellule et dit, le voilà là-bas au fond. On a jeté l'eau dedans, je gisais dans l'eau. Bien battu. Ça, c'est la démocratie. C'est un journaliste qui est mis en prison pendant Lissouba. Il venait tous les jeudis et tous les dimanches vérifier si son prisonnier est bel et bien en place. On appelait M. Azia à l'époque le prisonnier du gouvernement. Alors, et ça, c'est pendant l'époque Lissouba. Je vous pose la question de savoir. Nous sommes à la majorité, c'est Sassou qui est au pouvoir. Vous pouvez me donner un exemple d'un journaliste mis en prison, incarcéré, tapé, bastonné. Je vous apprends que j'ai fait 2 prisons. La première, un mois d'emprisonnement ferme, parce que j'ai dénoncé le détournement d'un chèque qui devait servir à la construction d'un pont par la majorité présidentielle, par un chef d'État qui met pour une raison de campagne. J'ai fait la prison 1 mois. À l'époque, le premier ministre était Yomi Opango. J'ai fait encore la prison pour cesser la première correspondance d'État confidentielle. Et vous pouvez me dire qu'aujourd'hui, les leaders du PADES... On n'a pas d'exemple comme celui-là, sous Sassou Nguesso. On n'a pas d'exemple sur Sassou Nguesso.
pour celui-là. Je ne connais pas, je défie tous les gens qui me disent que Otton et Sassou, j'ai été incarcéré. Moi, j'ai toujours rentré en prison. Il y a la loi sur la liberté de communication qui protège les journalistes. Ah oui, mais je suis rentré en prison un mois et je sors lundi, on m'arrête vendredi. On laisse pas de 5 jours. Je repars en prison vendredi. Et cette fois, c'était pour 6 mois. Je dis bien bastonné matin et soir. Et le ministre de la Justice lui-même venait regarder si j'étais traité comme il voulait. J'ai fini ma peine, je suis sorti de prison. Je n'ai jamais fui le Congo. Je suis resté ici, dans ce pays. Mon salaire a été coupé. Fonctionnaire de l'État, renvoyé de la fonction publique. Salaire coupé. J'ai vécu avec ma famille. Sous le mandat de mon épouse qui commençait à nourrir ma famille et moi-même. Ça, c'est la démocratie au temps de Souba. Et c'est eux qui veulent nous donner une leçon aujourd'hui. Ils s'appellent Sassi Mabiala. Je suis patron de l'UPAD. Voilà le bilan de l'UPAD. Vous voulez qu'on le fasse encore? Voilà pourquoi j'ai envie d'avoir ces gens sur un plateau pour leur dire. Mais à votre époque, c'était quoi là? Aziz qui vous parle. C'est moi qui étais en prison. Ce n'est pas on a dit. 2 emprisonnements fermes pendant l'Issouba. Et le procureur s'appelle Kitoko Ngoma. Je vous donne les noms. Voyez-vous? C'était au temps de l'Issouba. Et c'est ce que vous appelez un État démocratique. Et ils veulent nous faire quelle leçon? Mais ils sont pendant le règne de Sassou, aucun jeune n'a fait la prison. Pour avoir manifesté contre le référendum. Vous dites? Il y aurait des jeunes qui seraient actuellement incarcérés pour avoir manifesté contre le changement de la Constitution. Qui seraient incarcérés? Mais la force publique vous incarcère s'il y a bien un motif qui le justifie. Moi, le motif qui m'a justifié, c'est que j'ai diffusé un document d'État confidentiel. Voilà pourquoi j'ai été incarcéré et tapé. Ça suffit pour le dire. Celui qui brûle la maison, qui a tué quelqu'un à Pointe-Noire, à Brazzaville, ne sera pas poursuivi. Sa faute est moins grave que la mienne. Dans le cadre de la liberté d'expression. Mais toi, celui qui a manifesté là-bas, s'il a porté atteinte à un bien public, s'il l'a cassé, s'il l'a détruit, il est parti en manifestation, mais il a porté atteinte à autrui. Il est parti en manifestation, il a porté atteinte au bien d'autrui. Vous n'allez pas me dire ces gens qui sont arrêtés, c'est par le simple d'avoir dit non. C'est certainement qu'ils sont de la faute de ceux qui ont cassé. La preuve en est que le gars qui a voulu incendier le marché de Wenzi, il est passé à la télévision. Il a fait ses aveux, on lui a donné 100 000 francs. Vous voulez ce gars, quand il soit arrêté, l'opposant va dire on arrête les gens qui se manifestent. Non, pas qui manifestent, les gens qui détruisent le bien d'État. Alors c'est sur ces mots qu'on va devoir se quitter. Nous avons beaucoup aimé cette tranche de vie avec vous, Aziz Dominique de Marseille. Elle aurait été certainement plus belle en présence de Guy Romain Kifoussia, avec qui vous avez le même passé, et donc avec qui certainement vous connaissez aujourd'hui les valeurs de l'apaisement, parce que la prison, ça change, ça apaise. Merci beaucoup à vous, Estelle Bikumou, d'avoir consacré de votre temps pour animer cet entretien. C'était un plaisir d'ailleurs. Une émission goupillée par Ivoire Communication. À très bientôt.